Bonsoir, c'est Dark Soul. L'épisode, je sais pas. Et donc, notre objectif, c'est d'aller visiter la zone. Bon, et c'est moi ou cette arme, elle met 2 ans à lancer son attaque. Attendez, laissez-moi le moveset de la. Voilà ça. Le coup de pied. Voilà, le coup là, mes 10 plombes à charger. Mais peut-être qu'il a beaucoup de motion value. Ok. Donc là, attendez, là j'ai été voir là. Là j'ai été voir, mais ici. Ok, ça sert à une sorte de raccourci. D'ailleurs, ici il y a un shortcut. Un shortcut qui est pas. Qui n'est pas intentionnellement là pour le jeu, mais en fait, si tu sautes. Voilà, ici. Mais je vais pas y aller maintenant. Je vais visiter tout d'abord, essayer de ramasser le plus possible de choses. Là, on a un coffre. Bon, c'est un mimique. Oh. Voilà. Une pièce d'or. Ça donne pas mal d'expérience. J'avais pas fait gaffe que ça donnait carrément 2000. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi ça? Putain, c'était un truc du décor, j'avais pas fait gaffe. Mais non, c'est moi ou je suis pas online là? C'est moi, il y a un truc là. Oh! Je l'avais pas vu. Et c'est en mimique, donc. Yay! Pièce d'argent. Ça sert à quoi ça en fait? Alors, pièce en argent dans le côté face hors bord blablabla, même le menet blablabla. Bon d'accord. Ça m'avance pas vraiment. Oula, il y a le chevalier Barnabé. Je veux ton cul. Voilà, nice timing sur le. Sur le pari. Ok, ah, il y a un. Ah, il y a un truc là. Je voulais pas. Ah oui, c'est cette espèce d'enfoiré en bas. Bam. Bizarre que je voyais pas des marques partout. Ah, mais oui, on en a vu avant. Ok. C'est tout ce qu'on a ici? J'entends un bruit de pas. On n'a pas été ici. Ok, allons voir là. Ouverture impossible de ce côté. Il y a un lit. Il est un petit peu bizarre ce lit, je trouve. Il est très pas large. Oula. J'aime pas ça. Oula. Ça sent l'arnaque là. Non, pourquoi j'ai fait ça? Donc là, ça monte. Et là, il n'y a rien. Je veux continuer d'explorer à cette hauteur. J'ai déjà lu ça. Là, il y a le tableau dans Monsieur. Tableau en résolution basse. Voilà.
Attends, le monsieur là-bas, il est dos ou... Ah non, non, il est face. Là. Je voulais pas faire ça. Je voulais faire ça. Il y a un putain de problème de détection, je trouve, sur le coup, sauter vers l'avant. Putain, ces flèches font tellement mal. Et merde. Mais qu'est-ce que je fais, putain? Pourquoi je la... Il faut que je fasse gaffe de pas trop parler trop fort parce que j'ai remarqué ou de gueuler en coup parce que j'ai remarqué que okay, avec ça ici que mon micro grésillait à cause de l'amplificateur que j'ai mis ici voilà et quand il grésille ça pète les oreilles vraiment donc faut que je me gaffe. Ok bon on va monter ici. Ah je crois ça où j'arrive. Et normalement j'aurai un forgeron plus loin. Il y en a deux. Je vais essayer de faire un par un. Oh ouais. Oh. Ok, heureusement que l'autre là-bas il a une vision de merde. Oh merde, c'est un monsieur grosse flèche. Putain, il a un gros arc lui. Je voulais pas faire de mariole. Flèche de tueur de dragon. Ok, donc je peux aller en bas ici. En bas ici. Allons en bas ici en premier. Bah d'ailleurs là, est-ce que c'est ici? Bah non, non c'est pas ça. C'est pas là que je vais aller voir. Bah c'est qu'il y a moyen de shortcut pour arriver là directement. Oh. Ah, you again. Let me guess. Were you repelled by the Silver Knight? Ah, don't be ashamed. 'Tis the fate of vanguards like you and I. I'll think of something. We can overcome this together. This is quite a fix. We'll need another three. No, maybe five bodies. Quite a fix indeed. C'est quoi il parle là? This is quite a... Ok. Putain! Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Là c'était la technique de crève avant que je crève en fait. Oh merde. Voilà. Oh, c'est moi, il a donné quelque chose. Ah non, d'accord. Trade damage là. Oui, en coffre. J'ai failli pas le voir. J'arrive pas à voir si c'est un mimique ou un normal. Bon, c'est un normal. Titanite.
Oh. Oh. Là, je suis arrivé. Bah, attendez. Attendez. Si je redescends ici, je reviens au feu de camp normalement. Non. Bon, à ce moment-là, je vais prendre. Attendez, le feu de camp est où? Je vais prendre le shortcut. Ici. Alors. Ouais, je vais prendre le shortcut. Ben, le shortcut qui n'est pas intentionnellement là pour le. Voilà, qui n'est pas, pas intentionnellement censé le prendre, un truc du genre. Mais bon, il est simple et il est visuellement assez obvious. Donc, personnellement, je l'ai repéré assez direct, le machin. Oh, il m'énerve, lui. Mais merde, je voulais faire le coup sautant en avant. Je sais pas ce que c'est le problème avec la détection de ce coup. Non, c'est pas dur, tu fais. Alors, ce qu'il faut... Je veux vraiment faire R2. Et avant en même temps, mais vraiment pile en même temps en fait. Voilà. Alors. Essayez parade. Ok, là on a... J'ai pas été en bas là déjà, je crois pas. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Oh. Non, je me casse. Le drop de ce machin m'intéresse pas. Difficile à dire si je l'ai parié. Il n'y a pas eu le bruit, mais l'animation était identique. Putain. Mais je sais pas si je suis passé ici. Non, je crois pas, je suis pas passé. Ouais, non, je suis clairement pas passé ici. Putain. C'est pas du tout dans la direction que je la voulais, et merde. Alors qu'est-ce qu'on a? Deux coffres pas piégés. Ah oui, c'est le set de chevalier d'argent. Voilà. Et là, en fait, on peut tout simplement que de revenir ici, où c'était fermé. Où c'était fermé avant, près du feu de camp. Mauvais côté. Ce serait tellement un miracle que j'arrive à faire le boss. Le boss de cette zone du premier coup. Bon. C'est moi où j'ai été. Ouais, j'ai été trop. Et merde. Oh. Ok. Alors. Ouais. Bon, bah on va aller tenter le boss. Donc je tente une fois et... Et après, moi, je couperai. Mais là, il y aura des choses... J'aime aller visiter le coin avant. Oh, mais il y a un truc que j'ai loupé là. Attends.
Attends, c'est déjà par là. Ah, il y a un truc que j'ai oublié. Non, attends, voir. Le boss, c'est pas tout de suite. Il y a une arme juste là. Enfin, apparemment, c'était une arme. Contact de tueur de dragon. Est-ce que ce serait un arc qui demanderait de la force? Ce serait pas mal. Ah, ils vendent de force, vendent de dextérité. Faudrait une plus de qualité pour ça. Comment je descends ici? Ah, par là. Ah ah. Ah, puis je débloque la porte ici. Mais il me semble... Ah bah, je l'entends là. Ah bah, je me disais, oui, il y a le levier pour la porte, mais en fait, la porte, vous pouvez l'ouvrir de derrière. Je veux dire, il me semble qu'il y a un forgeron ici. Mais en fait, ouais, juste quand je le dis, je l'entends. Renforcer armes. Plus 10. Voilà, je ne pourrais pas l'améliorer de plus. Bon, le problème de ce bouclier, c'est qu'il demande 50 de force pour le soulever. C'est pas donc foudre. Non. Ah, réparer l'équipement. Je l'ai pas fait depuis un moment, ça. Je vais carrément réparer mes trucs. Voilà. Voilà. Comet Soon. Ok, je vois, là je reviens ici. Là-bas on a le, la zone du boss. C'est bon, il y a un passage juste là. Oups. Pour regarder où on marche aussi. Putain. Boss sans avoir toutes mes fioles au max, laisse tomber. Je vais quand même le tenter. Gros train droit devant. Je vais quand même le tenter, de toute façon il y aura l'introduction. Mais là c'est un miracle si j'y arrive du premier coup. Ça va être un miracle si j'y arrive, et j'arrive. Vraiment un miracle. Parce que pour moi c'était le boss le plus hard du jeu. Et de loin. Un smooth. Putain. Protection pilier. Là.
Et merde. Putain, c'est le Grotta. Mais je crois que le Grotta m'a peut-être un petit peu sauvé. Si je me serais pris à l'attaque de lui, je me serais pris bien plus dans la gueule. Putain. Bon, le problème... Dis pas que je vais réussir à l'avoir sans du premier coup, ce serait un miracle. Bon, lui il a une attaque de merde qui fait vraiment chier. Vraiment la jouer safe. Je m'en souviens plus de ses ouvertures. Ouverture. Oh, sérieux? Mais putain! Dégage. Voilà, ce coup là en fait, qu'on a pas bien vu ce que c'était, c'est le truc qui m'a tué le plus de fois sur ce Grotta. Putain, le Locan il pourrait le prendre. Oh mais c'est débile. Putain. Ok, si je roule deux fois en arrière, le coup là, je l'esquive. Non, sérieusement. J'étais même pas dans la hitbox du marteau. Ouais, le coup là faut vraiment rouler deux fois en arrière. Oh putain. Non, j'avais le menu ouvert. Mais non, c'est dégueulasse. Non. Non, c'est dégueulasse. En fait, je voulais utiliser une humanité pour me soigner. Et j'ai voulu annuler le menu, mais j'avais encore le menu ouvert et ça a pris la roulade. Putain, fait chier, j'aurais pu l'avoir du premier coup. Bon, ben... Comme dirait l'autre, deuxième tentative. Oups. Évidemment, je parlerai pas beaucoup quand je fais plusieurs tentatives comme ça. Ah chier. Va te faire foutre. Fou. Bordel, j'ai failli l'avoir du premier coup. Non, vous allez voir, je vais avoir encore plus de peine. Enfin, vous allez pas avoir parce que vous verrez pas les tentatives que je réussis pas. Non! Mais je l'ai fait tellement de fois ça. J'ai dû crever une trentaine de fois contre ce boss. Bah, une vingtaine plutôt. De fois contre ce boss. Allez. Va te faire mettre, Grotta. Putain, le tracking de cette attaque.
vais esquiver. Mais putain! Cool, il s'est déplacé là-bas en fait. Ça a reset sa position, c'est peut-être ce qui va me sauver. C'est peut-être ce qui va me sauver. Mais non, j'ai trouvé comment esquiver l'attaque qui me posait le plus problème. Oula. Putain, j'étais sûr que je me ferais toucher là. Je sais pas pourquoi. Maintenant je commence à dire, est-ce que c'est vraiment le boss le plus dur du jeu? Maintenant que je l'ai appris. Moi je suis quand même mort une vingtaine de fois contre lui lors de ma première fois. Et là, je vais pas dire que je vais l'avoir tout de suite maintenant. Je vais pas dire. Ça risque de porter pas chance. Putain. Ok, arrête de faire le con, putain. D'ailleurs, une des fois où j'ai failli le tuer, il lui restait rien de vie comme ça, et puis je me dis merde, je lui lance un coup, je vais pour le lancer un coup. Il a fait son saut, et puis son saut à la con. Et ça m'a tué comme ça en fait. Oh. Ben ouais, il y a un progrès entre deux essais et plus 20 essais. Il y a un progrès. Et ben finalement on ira... Oh putain on aura fait Londo en deux vidéos. Putain. Moi je pensais au moins faire 3 ou 4 vidéos ici. Non il y aura encore quelque chose mais je compte pas le faire maintenant. Il y aura encore une zone annexe à la zone mais je compte pas du tout le faire maintenant. Est-ce que le feu de camp là ça vaudrait la peine de l'améliorer? Non j'en aurais pas besoin. Alors... Voilà. Et je vais carrément faire ça. Ah, et puis on peut avoir un objet qui est bien. C'est une arme qui me donne combien ça? 3000. Il manque combien pour prendre? Évidemment. Évidemment. J'ai l'impression que sur tout le let's play, il y a au moins 10 minutes que j'ai perdu avec ça. Oh merde, j'aurais dû garder mes âmes pour acheter quelque chose, certaines. Oh, j'en utiliserai avec les machins là. Oh, j'aurais dû aller chercher les jumelles, merde. Coffre incroyable. Thou hast
become much, chosen undead. Come hither, child. Voilà. Oh, chosen undead, I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and Queen of Sunlight. Since the day Father has formed it obscureth, I have awaited thee. I bequeath the Lord Vessel to thee. Voilà, j'ai eu le Lord Vessel. Téléportez-vous d'un feu à l'autre. Cet item est bien. Par contre, pour la prochaine vidéo, je sais pas où je vais aller. Où je pourrais aller? Oh non, je voulais pas faire le serment. Mais je voulais pas. Bon, de toute façon, je peux l'oublier, il y a l'autre NPC. Parce que le problème, c'est que on va faire quelque chose avec ce NPC plus tard. Alors, améliore la synergie des miracles. D'accord. Coffre incroyable. Est-ce qu'il y aura quelque chose en haut ici encore? Oui, il y aura... presque faire ça en fait. Mais la question c'est comment j'y vais. Ah mais oui, mais il y a encore... attendez, je vois combien de temps j'en suis de vidéo là. J'en suis à 30 minutes, un peu plus. Il y a... cette zone là. Mais comment j'y vais déjà? Et donc on a débloqué un truc qui est vraiment bien maintenant. Ça s'appelle la téléportation. Alors tu peux pas te téléporter à tous les feux de camp. Tu peux pas. Mais au moins, c'est extrêmement pratique. Hein, c'est putain de pratique. Mais là il y a juste un truc que j'aimerais aller voir. Vous savez où il y a les... on est passé sur les poutres. Et ben il y a... il y a en bas un item que j'ai fait tomber que j'aimerais récupérer, mais il y a aussi quelque chose ici. Ah, du coup j'hésite à quelle zone je vais faire pour la prochaine vidéo. Est-ce que je fais la zone de la peinture? Est-ce que je fais la zone des catacombes? Ou à Norlondo? Liulundo. Alors je pense que faire la zone de la peinture. Mais je me souviens plus comment j'y vais à la zone du bas. Justement, je m'en souviens plus. Pourtant, c'est tout con. C'est tout con comment tu fais pour y aller, mais j'ai oublié. Par là, il y avait quoi déjà? Oh, c'est ça, non? Ah, oh, ben voilà, c'est ça. Ben voilà. Non, mais. Oh, il a essayé de faire une roulade. Il y a les ninjas du clan. Ah ah. Non, mais si, tu crois pas que je t'ai vu essayer de passer derrière pour essayer de me piéger? Ça c'est con par contre. Voilà. Sorcellerie, rien à foutre. Si je serais en sorcier, ce serait bien, mais c'est pas le cas. Oula. Oula. Yamete. Et merde. Je suis pas mort. Oh si, je suis mort. Bon. De toute façon, je pourrais finir de ramasser les items qu'il y a là la prochaine fois, parce que c'est là que je compte aller. Mais moi, je veux retourner
Attends, je vais faire un truc là. Non. Rien à foutre, 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 rien à foutre. Rien à foutre, 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 rien à foutre. Foutre, 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 rien à foutre, 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 j'en garde une au cas où, rien à foutre, catal d'état bannissement, d'accord, rien à foutre, je laisse là au cas où. Rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre, rien à foutre. J'en ai eu combien de ces trucs? Oh! Rien à foutre. Je le garde au cas où. Trop lourd. Ok. Rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Foutre. Rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Rien à foutre, rien à foutre. Rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Foutre, rien à foutre. Rien, 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 rien. Rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Quoique. Non, rien à foutre, rien à foutre. Quoique, attendez voir. Rien à foutre, à foutre, à foutre. Rien à foutre, à foutre, rien à foutre, à foutre, rien à foutre. Rien à foutre. Ok. Alors. Sanctuaire de 10 cheveux. Parce que je vais aller faire mon set d'armure. En fait, je crois que le set d'armure du chevalier d'argent et de garder le casque là, ça a assez de la gueule en fait. Attendez voir. Mais je crois que les stats sont moins bonnes. Ouais, une plus de défense. Ah non, je gagne quand même pas mal en fait. Un set comme ça a plus de gueule. Mais, je veux faire mon set tank que je pourrais probablement pas équiper tout de suite à cause du poids. Là on a débloqué un nouvel NPC. J'étais sûr que j'allais me chier la gueule. On a débloqué un nouvel NPC qui est salement placé. Et je peux lui acheter les armures des boss que j'ai déjà battus. Et ouais. Alors, il me faut... J'aimerais acheter l'armure... Les jambières, il me faut 12 000 si je suis fort en maths. C'est pour ça que j'aurais dû en garder un petit peu des âmes. Alors. Ça donne combien? 5. C'était quoi que j'ai utilisé? Courageux machin. Ça donnerait 12, ça ce serait bien. Ah, ok. Alors, passe-partout. Oh putain! Putain. Alors, armure. Attends, c'était l'armure et les jambes que je prenais, oui, je crois. Voilà. Bon. Ouais, prochaine fois, je pense faire le... La zone de la peinture. Du coup. Alors attends, voyons ça.
Mais je pense que je serai trop lourd encore. Un casque d'Abel, armure de golem. Voilà. Et non, je peux. Je peux. Cool. Et ça me donne quoi? 39 de balance. Voilà. Bah écoutez, la plus proche c'est où? Ici. Bon bah écoutez, bonne soirée.